S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça. Bonsoir à tous, bienvenue dans Nos croyances à la loupe. Dans cette émission, donc on est avec Hicham, docteur en sciences et religions, et on va essayer de décrypter certaines actualités qui vont mêler, par exemple, politique, religion ou sujets de société. Salut Hicham. Salut Aswan. Comment tu vas? Très bien, et toi? Au top du top. Alors du coup, ce soir, ce dont on va parler, c'est entre autres la séquence GIMS qu'il y a eu il y a quelques semaines. GIMS, du coup, disait qu'il ne fallait pas lui souhaiter bonne année. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique surtout de demander aux musulmans du coup, de ne pas fêter d'autres fêtes qui soient des fêtes musulmanes, islamiques, et du coup de rejeter totalement toutes les fêtes, culturelles ou non d'ailleurs, qui viennent par exemple de l'Occident? C'est lié à une forme de religiosité qu'on pourrait qualifier d'identitaire. Hein? Donc l'identité, c'est ce qui me définit, ce qui me dit ce que je suis et ce que je ne suis pas. Donc si la religion participe à cette définition identitaire, la religion va aussi servir à dire ce que je suis et ce que je ne suis pas. Hein? Et donc dans le cas de GIMS, par rapport à ces fêtes-là, il y a l'idée que nous sommes musulmans, nous avons nos fêtes, nous avons nos habitudes et nous ne devons pas nous aligner sur les fêtes, les habitudes et, disons, les produits culturels des autres. Et on trouve beaucoup cette forme de religiosité dans un courant qui s'appelle le salafisme. Je ne suis pas en train de dire que GIMS est salafiste, mais c'est un courant de pensée qui a gagné énormément, je dirais, d'influence ces 30 dernières années, notamment en France, et qui a un petit peu pénétré les formes de religion de type sunnite, disons. D'accord. Et lorsque GIMS parle de ça, et lorsqu'il porte un petit peu cette injonction-là, qui est une sorte, je ne sais pas si t'en conviens en tout cas, mais d'enclavement identitaire, culturel, il justifie ça en disant du coup qu'il faut essayer d'imiter au mieux les compagnons. Est-ce que tu peux nous en dire plus, d'une part sur les compagnons et d'autre part sur le fait qu'il faille les imiter? Cette idée qu'il faille imiter les compagnons, c'est lié justement à cette forme d'islam ou ce courant de pensée en islam qui est le salafisme et qui considère que, disons, les meilleurs pratiquants de l'islam sont les compagnons qui ont vécu avec le prophète. Et donc il y a cette idée qu'il faut se référer à leur exemple, voire même imiter complètement leur exemple, répliquer en quelque sorte l'islam de ses compagnons, avec l'idée que tout ce qui s'éloignerait de ce modèle des compagnons serait forcément un affaiblissement de l'islam, ou en tout cas une moins bonne version de l'islam, on pourrait dire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les religions, mais aussi dans les mythologies et dans certains discours politiques, c'est en fait le mythe de l'âge d'or. Hein, il y a eu une époque où l'islam était parfait, tout ce qui est venu après était forcément de moins bonne qualité parce qu'on s'est éloigné de ce modèle parfait, et donc il faut essayer de retrouver cet âge d'or, ou en tout cas essayer de faire en sorte qu'il ne se perde pas complètement. Et alors après, il y a différentes, je dirais, différentes gammes par rapport à cette attitude, c'est-à-dire que le respect des compagnons, c'est quelque chose qu'on trouve dans quasiment tous les courants de l'islam, mais la plupart des musulmans, disons sunnites, vont considérer que les compagnons sont des gens importants dans l'histoire de l'islam, qu'il faut s'inspirer de l'une ou l'autre chose, notamment des récits qui ont à voir avec, avec la moralité ou la justice, mais qu'il n'y a pas lieu de les imiter terme à terme, en quelque sorte. Et à l'autre bout du spectre, on a les salafistes qui vont considérer qu'il faut les imiter autant que l'on peut sur tous les points. Et donc, si les compagnons n'ont pas fait une chose, par exemple des anniversaires, souhaiter la bonne année ou des choses comme ça, il ne nous appartient pas de le faire. Le fond du raisonnement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, en tout cas ce que tu viens d'expliquer par rapport à toute cette rhétorique liée à l'âge d'or, tu me coupes si j'ai des bêtises, mais en tout cas, ce que ça m'évoque, moi, c'est que ce n'est pas fondamentalement spirituel et religieux, c'est parce que
Ce que tu viens de dire, le fait qu'on doit imiter un certain nombre de pratiques et qui correspondaient à une époque où l'islam était parfait, etc., bah, j'ai l'impression de le retrouver pas mal en politique, bah, notamment à droite, où il faut imiter un certain nombre de pratiques qui datent de l'époque où la France était belle, était forte, rayonnée, etc. Et du coup, c'est tout de même intéressant de voir que on arrive à catégoriser comment dire, ces sophismes-là et cette rhétorique-là, mais pas celle dont on parle aujourd'hui. Du coup, la question qui me vient en tête, c'est comment est-ce qu'on peut condamner une pratique culturelle, une pratique sociale avec un argumentaire qui est fondamentalement bah, religieux? En fait, ça revient à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'on a affaire à de l'identitaire. C'est-à-dire que pour moi, bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire que les salafistes n'ont pas de spiritualité, ils en ont sûrement une, mais la dominante de leur religiosité, elle est identitaire, c'est-à-dire me définir et définir ce que je ne suis pas. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on voit des parallèles, avec des formes, de christianisme identitaire. Des visions politiques qui sont identitaires. Et ça donne naissance à ce que j'appelle de l'identitarisme, c'est-à-dire que même dans ces dynamiques, on peut arriver à un moment où définir ce que je ne suis pas est plus important que de définir ce que je suis. Alors après, pour répondre directement à ta question, moi, je ne pense pas qu'on a affaire à des arguments religieux, mais à des arguments doctrinaux. Hein, c'est-à-dire que, pour faire une petite parenthèse, à titre personnel, je fais la distinction entre les croyances et les doctrines. Les croyances, ce sont des déclarations qui nécessitent une adhésion de foi, mais qu'on va trouver directement dans les textes. Donc, par exemple, dans le Coran, on insiste beaucoup sur l'unicité de Dieu. Donc, dire « je crois en un Dieu unique », c'est une croyance. Une doctrine, c'est une élaboration des idées qui sont formulées par une école. Donc, par exemple, le salafisme, le sunnisme, le chiisme, chacune de ces écoles a ses doctrines, mais qui ne se trouvent pas forcément dans le texte. C'est-à-dire, par l'idée qu'il faut imiter les compagnons ne se trouve pas dans le Coran, par exemple. C'est une doctrine salafiste, et donc c'est un argument doctrinal qui a été utilisé. Et parmi les griefs qu'on pourrait formuler à Gims, il y a cette idée qu'il confond croyance et doctrine. Je comprends, ouais. Et d'ailleurs, c'est cool que tu parles un peu de doctrine parce que souvent, il y a tout de même des doctrines qui s'affrontent. On le voit dans le droit, mais effectivement, on le voit aussi dans la religion. Et là, du coup, cet affrontement de doctrine, entre guillemets, entre doctrine ou plutôt peut-être de culture, entre le nous et le eux, sous-entendu, bah, nous, on doit fêter telle ou telle fête et eux, les Occidentaux, doivent fêter leurs propres fêtes qui ne sont pas les nôtres, etc. Qu'est-ce que ça implique du coup ce nous, ce eux, cette dualité qu'il y a entre les deux identités? Alors, effectivement, on va trouver des doctrines qui vont être plus identitaires que d'autres. Si je prends certaines formes de soufisme très mystique, très spirituel, il y a très peu d'identitaires, en fait. Hein, donc, même dans certains courants soufis, il y a cette idée que l'identitaire, c'est-à-dire le moi, hein, le fait que je centralise ma propre vision, que je centralise ma propre personne, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Bon, mais dans le salafisme, on a affaire à exactement l'opposé. On a affaire donc à cet islam très identitaire qui aboutit à ce nous versus eux, et à ce que j'ai appelé donc la contre-définition, donc le fait de dire ce que je ne suis pas. Et le problème de cette logique, c'est que bah, si on la pousse jusqu'au bout, on ne peut aboutir qu'à des clivages. À force d'insister sur ce que je suis par opposition à ce que je ne suis pas, ce que je ne veux pas être, bah finalement on est toujours dans bah, voilà ce que je fais, voilà ce que les autres font, il faut que je fasse ce que ma religion me dit ou ma doctrine me dit, et il faut absolument pas que je fasse comme les autres. C'est-à-dire en fait, on compromet la rencontre, tout simplement. On compromet la rencontre et le commun. Ouais, et du coup, ce qui est hyper intéressant là-dessus, encore une fois, c'est que Gims, mine de rien, bon, il n'est pas islamologue du tout, c'est pas un mec qui a étudié, on est bien d'accord, Du tout. mais il se veut d'une certaine manière, même si c'est inconscient, le porte-parole de cette génération-là, qui voit d'ailleurs l'islam comme quelque chose de très identitaire, et ça fait écho notamment au fait que du coup, pas mal de militants ou de pas militants, plutôt d'extrême droite ou de droite, ou en tout cas plein de Français, disent que l'islam n'est pas compatible avec la République. Et toi, du coup,
Cette assignation identitaire et le fait que certains jeunes, surtout des jeunes d'ailleurs, voient la spiritualité, pardon, surtout comme une identité, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça dit là-dessus? Bah, je pense que par rapport aux jeunes, une des questions qu'il faudrait ramener, c'est vraiment la question de Dieu dans un premier temps. Parce que c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ces formes très identitaires d'islam, l'islam en tant que tel, la religion, a pris la place de Dieu. C'est-à-dire on peut trouver des jeunes qui peuvent nous réciter des interdictions, des obligations à foison, mais si on leur pose la question, qui est Dieu? C'est quoi Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il y a très peu de matière en fait. Et donc moi je pense que une chose, enfin ce que j'expliquais même à certains jeunes que j'ai eus sous ma responsabilité à un certain moment de ma carrière, c'est de remettre de la hiérarchie dans la façon de vivre la religion. Est-ce que la façon d'enfiler ses chaussettes, d'enfiler son pantalon, le fait de souhaiter ou non bonne année, est-ce que vraiment le Dieu auquel il croit a créé un univers qui a 14 milliards d'années, envoyé des prophètes, des religions, pour nous expliquer qu'il ne faut pas souhaiter bonne année? Ouais, pas mettre des chaussures dans tel ordre, ouais, Voilà. clairement, ouais. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ça peut Ouais, être bien sûr. important pour eux, hein, mais est-ce que ça doit venir au début de la religion ou à la fin? Moi, je pense que c'est déjà un débat qu'il faut avoir. Super. Bah écoute, merci beaucoup Hicham. C'était vraiment cool d'apprendre ça, du coup, ce qu'étaient les compagnons, pourquoi est-ce que les musulmans doivent essayer de s'approprier, en tout cas dans la bouche de Gims, doivent essayer de s'approprier ce comportement-là. Et on se retrouve du coup pour une prochaine émission de Nos Croyances à la Loupe. Salut.